Non, ce matin, à Libreville, s'est ouverte la 20e session ordinaire du Conseil des ministres de la CIPRES, une cérémonie présidée donc par le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo. On regarde. Dans son propos introductif, Moussa Dosso, président en exercice du Conseil des ministres en charge de la prévoyance sociale des États membres de la CIPRES, également ministre d'État, ministre des Affaires sociales de la République de Côte d'Ivoire, a invité l'ensemble des acteurs à œuvrer davantage pour la consolidation de la CIPRES. L'adoption des textes révisés de la conférence et la signature du traité révisé par les États marque l'aboutissement du processus de relecture des textes de la CIPRES que nous avons décidé en vue de les adapter aux évolutions de notre environnement et de donner un nouvel élan à la conférence. Le ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale, Jean-Pierre Oyiba, a quant à lui rappelé à l'assistance le rôle crucial de la CIPRES dans le processus d'harmonisation des politiques sociales à l'échelle sous-régionale. La CIPRES est donc pour nos États un instrument politique de surveillance, de conseil et de contrôle permettant la mise en œuvre par nos organismes de prévoyance sociale de politiques sociales harmonisées et pérennes, susceptibles de soutenir la croissance et le développement de nos sous-régions. Les travaux du Conseil des ministres en charge de la prévoyance sociale des États membres de la CIPRES s'achèveront ce vendredi 20 février.